Ah, il est compliqué ce donjon, il est compliqué. Ah, il y a une porte en bas. Non, c'est rien. Ça se trouve, sans faire exprès, j'ai ouvert quelque chose. Enfin, c'est un mécanisme. Je vais voir si la porte d'en face est ouverte. J'espère. Sinon, je suis foutu. Je suis foutu. Elle est fermée. Super. Bon, on fait quoi? Ah, là, je me souviens que ce donjon-là, il était pas facile au début. Non, mais franchement, faut retourner là où il y avait le sèche-cheveux et... Et je sais pas, faire quelque chose en plus. Peut-être qu'ici, il y avait un truc à faire également. Je ne sais pas du tout. Je suis paumé, c'est super. Nous sommes à 35 minutes. C'est super. Là, je suis en train de réfléchir. En tapant des scorpions. Totalement logique. Faut faire quoi déjà? Concentration du grand Link. Ouais, pourquoi il y avait... Ah, si ça se trouve, il y avait un interrupteur là-dedans. Ils sont tellement fourbes qu'ils vont faire... Allez, quoi. D'accord. Ok. Ah, les fourbes. La fourberie de Scapin. Ça n'a aucun rapport. Ah, et voilà, on peut ouvrir enfin cette putain de porte de merde qui était tout le temps fermée depuis tout à l'heure. Tout simplement. Ah, c'est... Ah, ils sont malins, les développeurs. Donc maintenant, nous sommes ici. Le scorpion va crever dans le sable. Ah non, même pas. Ah, ils aiment le sable. Par contre, ils aiment pas mon épée. Donc là, j'en ai aucune idée d'où on est, mais bon, on va avancer. Allez, ok. J'ai maintenant compris. On dirait qu'il nous touche, mais en fait, il nous touche pas. Parce que Link, il titube, mais on perd pas de vie. C'est bizarre. C'est qu'ils sont tellement fragiles et faibles. Toi, tu dégages, toi. Ah, putain, mais... Voilà. Pousser contre le mur et c'est bon. Le sprint ultime. Oh mon dieu. Oh, c'est limite. Oh, c'est limite de chez limite. Là, on va délivrer à un chronolithe. Ça fait plaisir. Ah, mais c'est toujours ensablé. Ah, mais non. Je me disais, c'est bizarre. Pourquoi c'est toujours ensablé? Ah, bah non, même pas. Ah oui, je me souviens de ça. Ah, purée. Mais pourquoi il saute comme une merde? Je me souviens de ça, faut... Avec le sèche-cheveux ultime, bah, on peut pousser... Pousser ou tirer ça. Les plateformes. Comme vous pouvez le voir, on fait toujours tourner la petite palle et c'est bon. Ça enclenche le mécanisme. La 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 la. Ah, corne de monstre. Ah ouais. J'aurais préféré une griffe de monstre, mais c'est pas grave. Parce que corne de monstre, j'en ai pas mal. Griffe de monstre, j'en ai une. Mais bon, des griffes de monstres, on n'en trouve jamais. Enfin, je me souviens pas d'en avoir trouvé dans un coffre. On en trouve que en tuant des chauves-souris. Mais c'est très rare. Attends, amène-nous cette porte là. Ah bon, on s'en fout de cette porte. Voilà, on revient.
Ce mécanisme me fait beaucoup penser au donjon 2 de Wind Waker, si vous vous souvenez bien. Avec la feuille mojo, la feuille mojo. Avec l'arbre mojo. J'avais qu'à prendre le coffre maintenant. Ah. Ah, je vais utiliser le scarabée parce que là je pense qu'on est obligé d'utiliser le scarabée dans ce genre de circonstances. Ok, il y a une tour qui avance. Ok. Ah, mais comment je peux faire tourner celui-là? Faut peut-être que je remonte le temps. Je pense que c'est ça en fait. Ah putain, mais je voulais pas faire ça. Je voulais faire un saut en diagonale. C'est pareil pour retomber là où il y avait le coffre. C'est pas possible. Bah là je fais juste ça, hein. Je vise le chronolithe pour pouvoir remonter le temps et changer mon destin. Parce que mon destin c'est de pas réussir le donjon, alors que là je vais réussir grâce à ça. Quoique. Je comprends pas trop en fait. Non, je suis épuisé. Ah, et quand on est épuisé, on peut même pas utiliser les objets avec le bouton B. Oui, bah, je suis paumé. Que faut-il faire? Je réfléchis, mais ce donjon, il est vraiment pas facile. En même temps, c'est le dernier des temples. Des premiers temples, on va dire. Il est même plus dur que le prochain, quoi, presque. Ah, attendez. Ça. Mais non, mais... alors là, si c'est ça, si c'est faire tourner le machin pour ouvrir la porte quand on est dans le passé, alors là, c'est... je suis con. Et ben en plus, je pense que c'est ça, parce que là, il est plus beau, il est plus coloré. Ça me fait chier parce que c'est ça. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. The Big Boss on Number One, Oliver Plasma, pour avoir cherché pendant une heure juste pour ouvrir une porte. Bah, adieu l'ennemi. Non, mais il n'y a pas besoin d'utiliser le chronolithe et tout, ça sert à rien parce que là c'est toujours en sablé. Ouais, j'ai cru que j'étais tombé. Attention à cet ennemi. Faut lui envoyer les missiles dans le bec. Et en même temps, il va nous envoyer des bidules. Il faut taper à l'horizontale et lui à la verticale. Oh non! Oh si! Les rubis sont pas tombés! C'est magique! Et il nous donne vraiment beaucoup de rubis là. Là, j'étais vraiment chanceux. Voilà, faut tourner cette bidule. Je sais pas pourquoi il foutait. Qu'est-ce qu'il foutait là-bas, mais c'est comme ça. Ah bah si, Jirahim est passé par là et voilà, il m'a poussé avec son pouvoir ultime. Le sèche-cheveux. Lui, il a un sèche-cheveux intégré, hein, tellement qu'il est. Tellement qu'il y pédale, tellement qu'il y pédale, il a un sèche-cheveux intégré en lui. Ok, faut faire ça. Je vais pas me faire avoir une deuxième fois.
Non, je ne vais pas me faire avoir une deuxième fois. Ouais, je me souvenais plus du tout de ça. C'est incroyable. En même temps, ça fait un an, mais quand même. C'est incroyable. Super, on va se confronter à des ennemis de fous furieux. J'ai que ça comme vie, et donc... La bonne petite potion. Ah, ça m'a requinqué. Ah purée. C'est pas vrai. Voilà, on l'a eu. Attention à l'autre qui nous fonce dessus comme un taureau. Et voilà, c'est fait. Ah, il y a beaucoup d'ennemis assez costauds dans ce donjon. Je veux dire que ça fait plaisir, mais bon, quand on est en mode héroïque, ça fait pas trop plaisir. Je nettoie un peu, je tue. Pour qu'il y ait un peu de sang, mais bon, je peux enlever le sang si vous voulez. Même s'il n'y en a pas. Le sang de la petite bestiole. Avec mon sèche-cheveux 3000. Attends, pourquoi on peut pas monter par là? Ah oui. Il faut juste se déplacer comme ça. Oui. Ah, ça c'est du grand classique. Très facile, très facile. Ce genre d'énigme là, à déplacer les cubes, franchement. C'est un truc, ils font que de répéter, mais bon. C'est un peu saoulant à la longue. Attendez, y a pas... pas loupé un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est ça. Ah si, ça va être un nouvel ennemi, je pense. Allez, qu'on voit presque jamais. Bon, on voit que dans ce donjon. Dans ce temple magnifique. Même si personnellement, c'est l'un des temples que j'ai moins bien aimé, celui-là. Je sais pas, j'aime pas trop les trucs un peu technologie, comme ça, un peu robotique. Ah, c'est pareil. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le passé, en fait, c'était plus évolué que maintenant. C'est étrange. Oui. Ça, on s'en fout un peu. En fait, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir la grille. Mais comment? Non, y'a rien. Ah, c'est passionnant de voir une femme de ménage travailler. Je sais, je sais. Ok. Ok, y a plus rien à nettoyer ici, donc je fais comment? Ah, le pouvoir Maya. Je vais pas être encore bloqué comme un con alors que c'est une énigme super facile. C'est pas possible. Ah mais la porte est fermée donc je suis obligé d'être ici. Attends, est-ce qu'on peut déplacer le machin là? Non, on peut pas. En fait, faut trouver un chronolithe. Bon, franchement, j'en ai pas vu. Bon, hé, le scarabée. Bon, je vois rien au plafond, hein. À part des bouilles de pixels. Non, de l'autre côté, non. Non, je pense que cette grille-là s'ouvrira que si on tue cet ennemi. Le problème, c'est qu'on peut pas trop le tuer, puisqu'il est en mode... Attends, avec une bombe, il va peut-être se réveiller. On pose une bombe. Et ça fait rien. C'est très efficace. Bon, je vois rien. Je vois pas ce qu'il faut faire. Enfin, pourtant, j'étais pas bloqué ici, je me souviens pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce putain d'endroit de merde? Putain, y a un truc par là. Enfin, je pense qu'on s'en fout un peu.
du lignement. Ben, ça existe, mais c'est pas grave. Non, on peut ouvrir la porte quand même. Je suis bloqué. C'est quoi ça? C'est impossible. Y'a pas de chronolithe. Non, y'a pas de chronolithe. Il est introuvable leur chronolithe là. Alors il est au-dessus. Non, pas sur les poutres. Non mais... C'est un chronolithe disparu. Ou alors c'est ça là. Ouais, ça marche pas très bien. Oh là là, mais c'est con. C'est totalement con. Ah purée. Alors on prend ça. Ok. Ok, je ne dirai rien. C'est pas possible. Ça va être le donjon le plus difficile qu'on va faire, j'ai l'impression. Enfin, là où je... Bah, ceux-là, ils sont aussi copiés de Wind Waker. Je pense qu'il faut leur balancer une bombe, non? Allez, ouvre la gueule. D'accord, il ne faut pas ouvrir sa gueule. Je pense qu'il faut tourner ça. Ah oui, c'est ça. Ah, il faut lui taper. Le taper dessus. Un ennemi assez intéressant. On utilise le magnifique sèche-cheveux 3000. Et là, des ennemis comme ça, c'est super rare. C'était peut-être même le boss. Le boss. Le mini-boss. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une surprise! J'aime les surprises! Griffe de monstre? Ah non, la carte du donjon. Faut pas trop rêver non plus. Alors voyons, voyons. Bon bah ça va, il n'y a pas grand chose à faire encore en plus. Il y a juste une grande salle, et puis à part ça, après il n'y a plus que des petites salles. Quelques petites salles. Ça va être vite fait. Je dirais honnêtement, on finit ce donjon à 1h10 de vidéo. Encore 20 minutes. À peu près. Voilà, on se retrouve enfin de l'autre côté. Là, on voulait aller depuis tout à l'heure. Et... Je vais lui balancer une bombe. Bon, la bombe, elle est pas assez loin, je pense. Ah bah si, je l'ai quand même eu. Incroyable. Ah, ils aiment vraiment pas les bombes, hein, ceux-là. On va se faire... les scorpions, bah, j'ai pas grand chose à dire. À part regarder ce magnifique donjon, regarder ce sable, si majestueux, si éblouissant. Regardez. Je tombe. J'aime tellement ce sable que je suis tombé dedans. Ce sable mouvant, si majestueux, si bien fini, si... Regardez-moi ça. On voit vraiment les particules. On voit vraiment que c'est cubique. Oh non. Ouais, moi je suis pas sauvegarde, mais bon, je voulais pas faire ça au début. Attends, l'échelle là-haut, c'est quoi? Je pense que c'est rien. Mais non, mais je veux pas. C'est juste pour retourner la caméra. Peut-être qu'il y a des chronolithes ou des conneries. Ah bah oui, bien sûr, je m'en souviens. Un chronolithe qu'on fait bouger par là. Ah mais bon, ça m'aide pas trop. Ah non, attends, je crois savoir. Bon là, il y a des fois du sable qui n'est pas mouvant. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais puisqu'il y avait déjà ça avant... Enfin, c'est du sable mouvant, mais en dessous il y a une dalle, donc on peut pas. Enfin, en dessous il y a.
Il y a du béton ou voilà. Qu'on ne peut pas voir mais qui est quand même en dessous. Enfoui en dessous du sable. Donc on peut quand même marcher dessus. Tranquillement. C'est même Fail qui nous a expliqué ça, incroyable. Fail qui ne sert pas à grand chose. À part pour propager des fails. D'accord. On dirait vraiment des singes quand même. Des singes avec une tête de chat. Une tête mimi, donc du moment que c'est mignon, c'est un chat quoi. Ah bah tiens, là on les voit bien. Ouais. Il y a des conneries de mobs qui m'attaquent. Pendant que j'admire cette nouvelle espèce disparue. Sauf si on utilise un chronolithe. Ok, le truc qui sert à rien. J'ai perdu 5 minutes. J'ai perdu 5 minutes. Nous avons perdu 5 minutes de vidéo, c'est super. Peut-être qu'il y a un truc en dessous là. Wow. Ah, j'ai pas tant perdu que ça. Attends, j'en ai combien de ces trucs là déjà? Mais comment on fait pause? Ah voilà. Attends, j'ai appuyé 10 000 fois sur un et il voulait pas. Alors, oui, j'en ai 54 des perles d'ambre. J'en ai 54. Je vois trop l'utilité d'en avoir encore plus. C'est le truc le moins rare du jeu. Mais bon, les griffes de monstres, c'est l'une des choses les plus rares du jeu et ça m'énerve. On sait qu'elles sont pas loin parce qu'à chaque fois il y a des chauves-souris mais elles nous lâchent presque jamais ces griffes. Ça me sidère. Putain, il y a un ennemi de merde là. Faut se le faire vite fait lui. Oh oui, à chaque fois j'ai peur quand je tape cet ennemi. Même quand j'étais même pas en héroïque, j'avais peur. Mais bon là en héroïque, non, ils risquent trop de nous tuer en un coup. S'ils sont accrochés à nous et qu'ils nous électrocutent d'un coup là, c'en est fini. Même avec mon bouclier barbare, je pourrais pas trop me défendre. Ah purée. D'accord, je sais pas si on peut aller sur ce sable là. Bon de toute façon je vais me le faire avec la bombe et puis lui aussi. Quoi, il s'est pas pris la bombe? Mais c'est quoi ce bug? Il résiste aux bombes lui maintenant? Ça c'est pas possible. Non. C'est trop n'importe quoi. Bon bah au moins on est sûr qu'il est mort maintenant. On peut aller dans le trou. Est-ce que vous voulez perdre 5 minutes? Allez, on va perdre 5 minutes. Voilà ça. Bon, c'est quand même pas trop labyrinthique hein. Oui. Je fais tout ça juste pour avoir un rubis, c'est super. Je suis tellement pauvre, hein. Vous savez, 1100 rubis, c'est pas assez. Donc ouais, mais en parlant en fait de Twilight Princess, en fait, oui, je me suis coupé dans la première vidéo, enfin la vidéo juste d'avant. Sur le temple 2, je parlais des anciens Zelda. Oui, je disais que ce Zelda Skyward Sword n'est pas aussi légendaire que les anciens Zelda. En effet, c'est vrai que il n'est pas aussi culte, il n'est pas aussi. Il n'est pas aussi. On ressent pas la sensation d'aventure, juste parce que, de toute façon, je vous ai tout dit avant, mais je l'ai quand même préféré que Twilight Princess et Wind Waker. Ah, j'aime les deux pareil. Peut-être un peu plus celui-là. Enfin, je sais pas, je me suis plus amusé sur celui-là. Je me souviens que dans Wind Waker, je l'avais pas fini du premier coup. Enfin, du premier coup. Enfin, je l'avais fini, mais au bout de 2 ans, quoi. J'arrêtais des fois. Alors que là, celui-là, j'avais vraiment continué. Chaque jour, j'étais à fond dedans, donc... C'est bizarre, c'est la magie Nintendo. Je sais pas, c'est...
Les jeux actuels, de toute façon, c'est souvent ça, on s'ennuie jamais. Même si on ressent moins la notion d'aventure. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Il part complètement de la porte nawak. Mon sèche-cheveux. Non, mais voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Que, par exemple, Twilight Princess, c'est le moins bon Zelda pour moi. Pourtant, j'ai très bien aimé son ambiance. Je trouvais, mais franchement, quand je voyais l'ambiance et aussi de se transformer en loup-garou, je trouvais ça quand même vraiment unique. Je me disais, purée, mais ça va être un Zelda énorme. Ça va être génialissime. Alors qu'en fait, la plupart du temps, on fait souvent la même chose. On essaye de récupérer dans chaque niveau des espèces de perles bleues, là, pour pouvoir retrouver la lumière. Quand on est en... Oui, parce que quand on est en... Enfin, je vous expliquerai ça plus tard dans Twilight Princess. Parce que quand on est en loup-garou, souvent c'est parce qu'on est dans une phase d'ombre. Donc, enfin, c'est chiant à expliquer, voilà. Faites le jeu et vous allez comprendre. C'est compliqué à expliquer. Voilà, les phases avec le loup-garou, c'était assez chiant, finalement. Au début, quand on faisait un peu d'infiltration là avec le loup-garou là dans le village, je trouvais ça vraiment pas mal. Mais bon, après, c'est un peu devenu de la merde. C'est pour ça que surtout, Twilight Princess, moi, je l'ai surtout aimé avec ses donjons qui étaient vraiment originaux. Vraiment, il y avait des donjons. Il y avait des fois, j'avais vraiment du mal. Il y avait des donjons vraiment difficiles. Et on s'ennuyait jamais dans les donjons. Mais c'est juste dans les donjons. Sinon, franchement, à part les donjons et les temples, quoi, Twilight Princess, il n'a pas grand chose. Il y a des quêtes secondaires, oui, mais c'est pas très intéressant. Alors que là, par exemple, dans ce Skyward Sword, les quêtes secondaires sont plus intéressantes. Il y en a vraiment beaucoup. Et je trouve que j'avais, malgré ça, j'avais adoré l'ambiance de Twilight Princess. Et franchement, c'est pour ça que j'attendais impatiemment le prochain Zelda. J'avais vraiment envie qu'il soit un peu comme Twilight Princess. Un peu sombre, mélancolique. Et j'aimais bien il y avait ça aussi dans Ocarina of Time. C'était plus ça aussi dans Ocarina of Time. Mais bon, vu les trailers qu'on a vus, que ça va être un open world, tout ça, on a vu que les graphismes, ça va être plus comme ce Skyward Sword. Bon, bien sûr, ils vont être magnifiques, ça va être sur Wii U, mais ça va être plus animé, ça va être plus enchanteur, plus coloré. Donc voilà, ça va pas être un Zelda sombre, sérieux. C'est ça que je veux dire, donc bon, un peu déçu à ce niveau-là. Mais bon, tant pis, hein, parce que bon, j'aime quand même l'ambiance Wind Waker. Ah, il reste quand même du sable sur le truc. Faut d'abord peut-être. Non, ça sert à rien. Donc voilà, je pense que je vous ai dit mon ressenti sur Twilight Princess. Le seul truc qui est intéressant, c'est les temples. Hélas. Parce que bien sûr, il y a pas mal de villages aussi. C'est vrai que les villages sont quand même très développés. On a beaucoup plus que dans Skyward Sword, mais bon, on s'ennuie beaucoup plus dans Twilight Princess et puis les quêtes secondaires, ou même quand on est hors des temples. À part les temples, franchement, je me suis vraiment forcé à le finir. C'est juste parce que je me disais, oh là là, il va y avoir un temple pas loin, je le sens. Parce que franchement, c'était le point fort, vraiment le point fort de ce Zelda, puisque je trouvais que les temples étaient vraiment... Il y en avait vraiment des compliqués, des temples vraiment difficiles à finir. Dès le premier temple, déjà, avec ça se corsait. C'est pas la même chose que Wind Waker. Wind Waker, par exemple, moi je trouve que les temples, c'est comme celui-là, quoi. Ils sont pas trop compliqués, même si des fois je suis bloqué comme une merde, mais voilà. Là, vous allez vraiment me voir galérer, par exemple, dans le temple de l'eau. Oh purée, ce temple-là. Il est horrible dans Twilight Princess. Mon dieu!
C'est le temple le plus difficile du jeu. Là, je vous le dis de suite. Et voilà, il nous balance derrière, il faut faire gaffe, il faut se protéger. Encore une bonne idée, même si je me suis fait avoir comme une merde. Allez, vise-moi, voilà. Pour pouvoir m'implanter une terrible souffrance avec mon épée. Implanter mon épée dans son œil. Ça peut être gore, dit comme ça, mais c'est juste des robots, donc on s'en fout. Voilà, on l'étourdit. Ah, c'est un truc que je viens d'apprendre, ça. On peut les étourdir avec le bouclier. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Et voilà, nous sommes de l'autre côté. Nous avons réussi à aller plus loin. Et en plus, j'ai eu une fée. Hein. Magnifique. On voit vraiment que Nintendo vraiment pensé à tout, hein, de refaire le jeu en mode héroïque, tout simplement. Difficulté de fou furieux. Et donc ils ont laissé quelques fées par là, par-ci, par-là. Mais aussi on peut avoir un objet, je sais plus si je l'ai dit encore une fois, mais on peut avoir un objet qui nous permet d'avoir des cœurs, je crois que j'ai déjà dit, qui nous permet d'avoir des cœurs, même en mode héroïque. Moi je préfère pas l'acheter. Même si jamais je le trouve dans un coffre, je préfère pas l'utiliser. Parce que c'est un peu de la triche. Je vais être conditionné en mode héroïque, moi. Vraiment, le vrai mode héroïque, le mode de fou furieux. Pour les gamers de Zelda, c'est pas rien. Donc voilà, je vois vraiment pas l'utilité de cet objet. Bien sûr, de faire un pas le de gâcher le mode héroïque. Parce que c'est surtout ça qui rend le jeu plus dur, c'est qu'il n'y a pas, il y a jamais de cœur. On récolte jamais de cœur. On peut se soigner que en s'asseyant sur quelque chose, sur un banc, ou en récupérant de la vie avec des potions de soins qu'on a soigneusement achetées. Purée, je suis encore bloqué. Non, alors là, faut faire quoi? Bon, je réfléchis. Hein. Je mets beaucoup de temps à réfléchir, donc patientez. Donc peut-être qu'il faut plus mettre le truc. Ah. Ah, ça mène beaucoup de rubis bleus, là. C'est-à-dire 10 rubis, quoi, en tout. Ça m'aide beaucoup. Non, mais comment on va là? On va peut-être ramener un truc qui est là-bas. Attends, je vais utiliser le scarabée et le balancer sur le chronolithe là-bas. Alors, je crois que ça sert à rien, en vrai. Ça va pas servir à grand chose en fait. Il y avait une caisse là-haut. Là, il y avait une porte fermée. Mais est-ce qu'elle est fermée dans le présent? Ah oui, elle est fermée aussi dans le présent. Bah, comment on fait? Si elle est fermée dans les deux. C'est quoi là-haut? Je vois un truc bizarre là-haut. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah si, c'est une chauve-souris. D'accord. Et bon, à part ça... Là, on peut bouger le bloc. C'est vraiment pratique ce scarabée, mais bon, là, je suis complètement paumé. Oui, il faut aller à cette porte. Mais comment ? Que j'ai vu quelque chose derrière. Aïe. Une échelle. Ouais.
peut-être... Attendez, peut-être avec le sèche-cheveux magique. Alors on peut pas remonter le... Le machin. Non. Non, ça sera avec le fouet, plus tard. Ouais. Ah bah je sais pas du tout, on va revenir. Ça sert à rien d'aller là en fait. Ou alors... Bah, je sais pas. Ah, mais purée encore, je me fais toujours avoir par ça, mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de fou. Ah oui d'accord. Il faut pas qu'il avance en même temps. Oh merde. J'ai loupé. J'ai oublié.